around the world with only one person of the Wednesday cast, who would it be? This is going to cool some arguments. Oh my god. I'm going with Jonna. She plays one of the sirens. I love Jonna so much. We're basically the same person. We have a lot of the same interests, and I really enjoyed spending time with her. So I think I'd say Jonna. Maybe. Me and Ricky Lindholm did a lot of tricks together while we were shooting. She played the therapist on the show. I love her. She's amazing. Not you guys. I would actually pick Oliver, who plays Kent, because he is probably the most like well put together human being I've ever met in my life, and I'm a bit of a mess, so I feel like he would be a good contrast and keep it together. Du coup, la question était, si vous pouvez voyager autour du monde mais avec une seule personne du cast, qui est-ce que ce serait? Et du coup, Emma, elle a commencé par dire que ce serait Jana, parce qu'elle l'adore. C'est pratiquement les mêmes personnes. Ils ont les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, voyager ensemble autour du monde, ben, ce serait parfait, quoi. On retrouve Hunter, qui, du coup, lui, il préférait, du coup, le faire avec Ricky Lindholm, qui, du coup, joue le psychologue ou le thérapeute, parce qu'ils ont fait même plein de trucs lorsqu'ils fumaient ensemble, et c'était extrêmement drôle. Ensuite, on a Georgie qui avait dit que ce serait avec du coup Oliver qui joue Kent parce que c'est quelqu'un d'hyper organisé et Georgie le pauvre c'est totalement l'inverse. Donc il faut essayer d'arriver au milieu, à un certain milieu, avoir une balance. All right. Who would die first out of everyone in the cast? Percy. Yeah, Percy would die first. Self-admitted too. Like, yeah. Self-admit to that too. Die last. I feel Jenna would be the last to make it. Yeah. Who's the killer? Who would be the killer? That's a good question. I don't know. I mean, yeah. Also Jenna maybe too. That's why she survives. Yeah, that's why she survives. Yeah. Du coup, la question était, s'ils décident tous de faire un film d'horreur, qui mourrait en premier, qui mourrait en dernier, et qui est le tueur dans le cast? Donc, on commence par du coup Hunter qui dit, bah, clairement, la première personne qui va mourir, eh bien, c'est Percy. Même, il peut lui dire lui-même que oui, je vais mourir en premier. Ensuite, on a Emma, qui dit que la dernière personne qui va rester en vie, on va pas se mentir, c'est Jenna. On parle badass, c'est Jenna. Et Georgie qui dit, bah, vous savez quoi, le tueur, comment elle est restée vivante, Jenna? Parce que c'est elle qui tue tout le monde, hein? C'est aussi simple que ça. Donc on a notre petit trio. Abilities, like Tyler's hide, Enid's wolf, and Ajax snakes. And how was it to shoot those scenes? Yeah, I was very frustrated that I used them on myself. I feel like, yeah, it's like, oh, I wonder who he stuns. And then there was like, oh, yourself. And so I was like, no! Why? But yeah. But it was cool though. I first got to see what my werewolf looked like on a VFX scan that I did. And I couldn't even pay attention to my character on it because Hunter was also on the same VFX scan as me. And for some reason, it had warped his face in like this really weird way that he doesn't look like himself. And I put it as my screensaver for a little bit because it was so funny. But yeah, my first reaction to the hide and my werewolf was, wow. Whoa! yeah, I remember the first time I saw Tim Burton had drawn a picture of what the hide was going to look like, and I was just so amazed that I was going to get to play it. But filming the scenes can be kind of awkward, because you have to turn into a monster. I remember I was holding Jenna by the collar, and without the special effects and the music, it's basically me just going, yeah. I kind of regret doing that impression. La question était, quelle était leur réaction lorsqu'ils ont vu pour la première fois leur du coup pouvoir? Et on a du coup Georgie qui a commencé à dire, bah, il était un peu frustré. Il est frustré parce que, tu sais, il était content, oh vas-y, j'ai des pouvoirs et tout, je vais pouvoir les utiliser sur qui? Et ils lui disent, bah, sur toi-même.
Ah, mais c'est pas si cool que ça. Bah, en vrai, c'est cool, il adore le fait d'avoir des pouvoirs, mais il est un petit peu frustré du coup. Ensuite, on retrouve Emma. C'est la première fois qu'elle a vu, c'était pendant un scan VFX. En plus, il y avait Enter dans, le même scan. Et elle pouvait juste pas regarder. Enfin, elle regardait même pas son personnage, elle regardait Enter parce que ça avait transformé son visage. Tu le reconnaissais pas vraiment, mais c'était hyper drôle parce qu'ils se connaissent du coup. Elle l'a même mis comme fond d'écran sur son téléphone pendant un petit moment. Mais pour son personnage, la première fois qu'elle a vu, elle était là en mode wow! Oh! Et enfin, on a Hunter qui, pour la première fois, avait vu lorsque Tim avait juste fait un croquis du monstre et il avait dit ah ok, d'accord. Sauf que c'est pas la même chose lorsqu'on va filmer. Par exemple, juste la scène où lui, il s'est déjà transformé et il devait attraper Jenna, pendant qu'il filmait, c'est lui et qui attrape Jenna et qui va en mode c'est genre comme ça là. Et ben c'est pas la même chose quoi. C'est pas du tout la même chose.